Hello les cops, on est vendredi, fin de semaine. J'en peux plus, je suis fatiguée de chez fatiguée. Bon après je le savais parce que c'était ma semaine de soir. J'ai eu des grosses amplitudes donc forcément c'est compliqué à gérer. Mais on va s'en sortir large. C'est la fin de la semaine, on arrive au bout donc ça devrait le faire. Je fais aujourd'hui 9h-11h je crois et 14h-19h. Attendez je vais vérifier parce que je suis pas certaine, je crois que c'est midi aujourd'hui. Non c'est ça, toujours 9h-11h, 14h-19h15. De 14h-19h15, je vous dis qu'il va piquer, hein. Il va vraiment piquer quelque chose. Ah là là, hop là, je vais vous caler là parce que sinon vous avez trop de lumière dans mes lunettes. Bon ça change pas grand chose en fait. Peut-être que c'est mieux. De toute façon je vais regarder mon ordi parce qu'il faut que je mette des dossiers. Enfin que je m'inscrive sur les... Enfin que je m'inscrive. Que je prépare mon boulot, clairement. Fidji et Nitro. Fidji il se fait courser par Nitro le pauvre. Alors formation. Ouais donc du coup je prépare mes dossiers comme ça c'est prêt. Après je vais faire ce que je fais d'habitude. J'ai pas déjeuné, enfin j'ai rien pris donc je vais me prendre un petit gâteau je pense. Minou, je suis excitée, ça y est. Et après, ben voilà quoi, je vais m'installer clairement, tout doucement. J'espère que ça va passer vite aujourd'hui, comme ça ce serait tranquille. Mais bon, on est vendredi, donc à mon avis, ça va pas beaucoup sonner. Je fais un gros créneau d'après-midi, ça m'étonnerait que ça passe vite. Mais bon, on va essayer d'y croire jusqu'au bout, mais... Voilà, voilà. Minouche, ça suffit. Vous aussi vous avez un chien qui pète un chat qui pète un câble comme ça d'un coup, je sais pas pourquoi. Enfin, je pense qu'en fait tous les chats font ça. Il m'énerve à péter son câble, c'est jamais au bon moment qu'il pète son câble en plus. Je demande pourquoi, on a pas dit, on sait pas. Minou, ça suffit. Oh, une fatigue. Allez, donc du coup je suis ready pour aujourd'hui. On n'est pas le 18 mais le 19. Hop, enregistré. Fait câble. Ça sonne beaucoup ce matin. Bon, en même temps il est que 8h. Bon allez, ça c'est fait, je vais me chercher un petit gâteau parce que j'ai un peu faim. Enfin un petit gâteau ou peut-être un pain au lait, je vais voir. Je crois qu'il reste des pains au lait, je vais me faire un petit pain au lait, ce sera très bien. Et on va regarder les petits mails. Alors en fait je vous disais hier je crois quand je vous ai pris dehors ou je sais plus où est-ce que je vous ai pris à ce moment là. Mais je vous disais qu'il y avait 4 classes de fermées ou 5 je sais plus. Mais en fait il n'y en a pas 5, il y en a 6. Ce qui fait qu'il reste que la classe de Nolan et une autre classe dans la cour de récré. Ils sont quand même 500 élèves à la base. Non pas ça. Oui c'est ça, donc il y a l'école et la maternelle à côté, enfin la maternelle et l'élémentaire à côté. Et dans l'élémentaire, ou dans la maternelle et l'élémentaire, je sais pas, je sais plus, bref, ils sont 500 élèves. Il y a au moins 4 classes dans l'élémentaire et 2 classes dans les maternelles. Qu'est-ce que t'arrives? Donc du coup, ben Nolan se retrouve avec juste une classe de CM2 et sa classe. Et après c'est tout, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne dans les classes. Le bus ce matin était complètement vide. On s'est tous dit avec les parents, ça se trouve ils vont refuser des élèves, donc on est resté quand même. Mais c'était limite quoi, donc voilà. Je crois que je vais me le faire. Je crois que je vais me le faire. Je vais couper et je vais aller le sermonner. ça c'est ok, donc ça c'est école. Donc voilà, du coup je vais regarder mes petits mails, regarder mes petits comptes. J'appréhende le week-end là parce qu'on n'a pas Léa. Mais bon voilà, Chouchou tous les week-ends il veut sortir. Et quand il veut sortir forcément il veut dépenser. Et au niveau des dépenses comment vous dire que j'aurais bien aimé qu'on fasse un week-end blanc. Parce qu'on est vraiment pas, voilà, il n'y a pas grand chose. À part faire quelques petites courses qui seront vraiment nécessaires. Parce qu'il nous manque quelques petites choses là qui commencent à être un petit peu, je vais pas dire urgente, mais voilà, indispensable pour nous. Et ben voilà quoi. Mais pour le reste, franchement, pour des jeux vidéo par exemple, non. Pour des apéros, tout ça, je pense qu'on a ce qu'il faut à la maison. Pour manger au restaurant, c'est pareil, il y a le frigo plein. Donc je pense qu'on peut on peut faire sans quoi. Mais bon, avec Chouchou, on n'est jamais à l'abri de rien au niveau des dépenses. Ouais donc Nolan ce matin il me disait j'espère qu'il n'y aura pas d'autres classes fermées parce que bah, du coup je pense qu'il s'ennuie en cours de récré. Il a que sa classe, bon il a des copains dans sa classe mais je pense qu'il joue un petit peu avec tout le monde. Puis il doit sûrement y avoir des restrictions à l'école dans les cours de récré, enfin dans la cour de récré. Et ça doit pas forcément lui plaire, je sais pas, avant il faisait du ping-pong et tout ça, enfin il faisait plein d'activités avec les animateurs. Et là les animateurs ont dû peut-être, vous savez, séparer un peu les classes, séparer les cours de récré tout ça pour qu'ils évitent un petit peu la contamination. Mais je sais pas, il m'a dit ce matin, il était pas
trop motivée pour aller à l'école, justement parce qu'il n'y avait plus de personne en classe, quoi. Donc voilà, bilan orthophonie qu'on garde et tout ça, voilà. Bon, j'ai plus de batterie, donc je vais changer ma batterie et je vous reprends peut-être sur midi, je vais voir. Parce que là, ce soir, ce matin, je pense pas que je vais vous prendre. Vu l'excitation de mon chat, ah bah ça y est, il s'est calmé, il s'est mis dehors, assis sur le balcon. Bon, voilà, bref, de toute façon, j'ai plus de batterie, donc je vous reprends tout à l'heure. Bon, ça y est. Première pause, enfin du coup la pause du midi, il est 11h05 à peu près. Je vais commencer à me faire à manger, comme ça ce sera fait. J'ai fait plein de boulettes hier, j'ai créé un agenda pour un médecin, au lieu de le mettre le vendredi, je l'ai mis au samedi. Heureusement que c'était pas des prises de rendez-vous par internet, parce que j'aurais déjà tout de rempli. Après j'ai fait quoi, une autre boulette, je sais plus ce que c'était. Enfin bref, j'ai fait que des boulettes. Heureusement ça s'est pas vu, mais bon, franchement ça aurait pu être plus grave et... J'ai eu du bol. J'étais vraiment à l'ouest hier après-midi, j'arrivais à rien. J'ai fait des boulettes que habituellement je fais pas spécialement. Enfin, je fais des trucs quand même où je fais gaffe. Mais là, voilà. Je sais pas ce que j'ai goupillé, je sais pas ce que j'ai. Voilà, je sais pas. Je sais pas, mais là, je. je suis sur les fesses. qu'est-ce que tu faisais dans la salle de bain, toi? Hop. Du coup, je vais me faire à manger. Et je ne sais pas quoi manger. Ah bah si, je sais, c'est prêt. Oh, mais j'ai même pas besoin de me faire à manger, c'est fait. Je vais faire du linge alors. Enfin, je vais mettre des machines à tourner, parce que le week-end arrive. Et voilà, vaut mieux anticiper dans ces cas-là. Chouchou est parti en scooter ce matin, donc à mon avis, il va arriver plus tôt. Et du coup, bah c'est tout en fait, il va arriver plus tôt. Donc voilà, j'aimerais bien faire mes machines vite. Comme ça, plus vite je peux les mettre, plus vite je serai tranquille après pour le week-end. En plus, j'ai du bazar dans ma salle de bain, c'est un truc de fou. Est-ce que je vous montre? Non. Non, non, non. Alors, je vais vous poser. Je peux même pas vous poser là. Mais vous allez pas voir. Couleur claire, couleur claire, couleur claire. C'est pas vrai. Couleur foncée, couleur foncée, couleur foncée, couleur foncée. C'est pas possible. Ils savent pas lire, mes gars, mes mecs. Tous les jours, je me bataille. Tous les jours. Je vais faire une machine de couleur. Oh, putain, et ça, c'est pareil. Je vais faire une machine de blanc, déjà. Parce que j'ai toujours pas fait mes draps. Et j'ai des serviettes à faire. Parce que sinon après on pourra plus se laver. On n'aura plus de serviettes. Du coup, alors on va faire que je prenne une panière. Non, on va faire ça comme ça. Le problème c'est que vous n'allez pas forcément me voir. Parce que je vais être sur la... Bon, je vais essayer de vous mettre autre part. Bêtez. Ah, vous allez fondre. Si je vous mets sur le radiateur, vous allez fondre. attendez, on va essayer de trouver une solution. Résolution de mes problèmes existentiels. J'ai pris mon trépied, hein. C'est quand même plus simple de prendre un trépied. Et je vais vous poser sur mes panières de linge que j'ai, hop, empilées. Voilà. Alors ça c'est mon bazar, mais moi tout ce qui va se passer, ça va être là. Voilà, ça devrait être pas mal. Donc, on va mettre même comme ça. Dans un premier temps, il faut que je vide cette machine-là. Normalement, vous voyez peut-être un peu de bazar. Ah oui, mais le problème c'est que je voulais me servir de ça. Bon, je vais aller amener mon linge. C'est pas grave, on va tout prendre comme ça. Hop là, une chaussette qui se barre. Hop. Hop, donc tout ça, il va falloir que je le plie déjà. Hop, je repars. Salut les cops, je vous laisse dans la salle de bain. Je suis là et j'avais oublié une chaussette. Hop, donc ça déjà, c'est ça. Ensuite, il faut que je mette donc le linge de couleur qui est lavé dans le sèche-linge. Mais tout ne va pas au sèche-linge. Alors on va faire du petit tri. Voilà, c'est fait, ça ne sera plus à faire. Voilà, il restera juste du coup du linge que j'ai là à sortir de ma... Attendez, je vais peut-être sortir parce que ça fait un peu de bruit. Il faut que je le plie ce linge et que je mette du coup les deux pulls à sécher. Comme ça, ce sera bon. J'ai pas grand-chose dessus, mais voilà quoi. Ah. Ah, quelle épreuve! Non, c'est pas vrai, hein. C'est moi qui exagère. Hop là, un pull, deux pulls, trois pulls, quatre pulls. Et ça, allez, ça c'est fait. Tac.
Et je repars dans la salle à bain, mais comme c'est la machine est en route, je vous pose. Je vais mettre mes deux pulls à sécher. Je vais plier du linge. Je vais faire chauffer mon plat en même temps. Comme ça, je vais manger tôt et je serai tranquille. Après, je sortirai mon chien. Et après, je sais pas ce que je ferai. Peut-être un coup de nettoyage. On verra. On verra. Je suis fatiguée. Bon, j'ai fait tout mon linge, tout ça. Là, je suis en pause pour 5 minutes, même pas. Et après, je repars bosser. Franchement, je suis contente parce que j'ai bien bossé. J'ai mis mes machines, j'ai plié mon linge et tout. Il n'y a plus qu'à le ranger. Et pourtant, j'ai moins de pause que tous les autres jours de la semaine. Donc, j'ai glandouillé tous les autres jours de la semaine. Aujourd'hui, je me suis mis un petit coup de pression. Et du coup, j'ai bien avancé. Oh, ça sent bon la lessive dans la salle de bain. J'adore cette odeur. Je vais juste vérifier si mon linge a bien séché. Comme ça, si c'est le cas, et ben. Je vais empiler ce linge-là, je vais voir si je peux le plier. Yes, c'est bien, oh, c'est pour ça. Comme ça, je vais pouvoir mettre l'autre à sécher direct et remettre l'autre. Enfin, préparer la machine pour ce soir. En plus, c'est que des serviettes, donc je vais pouvoir les plier en deux. Bon, ça, c'est bon, ça. Je suis désolée. Hop. Hop et hop. Alors. Impeccable, ça, c'est ok. Et du coup, je vais mettre hop, la housse à laver. Oh, je suis contente, j'ai rattrapé mon linge là en 2-2. Ah, par contre, il y a la housse, le drap qui est parti dedans. Ça me fait tout le temps, ça m'énerve. Voilà, impeccable. Tac. Ah, hop. Il va falloir que je vide le réservoir, par contre. Ouais, il va falloir que je vide le réservoir, oui. Alors... Pour ne pas me mouiller ni vous mouiller, on va vous décaler. On va vous décaler ici même. Hop. Allez, donc du coup j'ai que des serviettes à plier. Pendant que je mange mon goûter, je vais plier ça, comme ça c'est fait. Et j'aurai fait tout mon linge. C'est royal quand c'est comme ça. Du coup je pense que je vais même vous laisser là parce que j'ai fait 2 jours de vlog. Je vous raconte pas grand chose dans ces 2 jours de vlog. Mais voilà, ce soir je vais finir tard. J'ai envie de me poser, de rester tranquille. Si on peut finir tôt, manger tôt, se coucher tôt comme des papy mamie et pouvoir regarder une petite série en amoureux, ce serait trop cool. Donc je vais me dépêcher, je clôture là du coup le vlog. J'en profite, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.